Framé, je suis le responsable de l'antenne de la Chambre de commerce Altré. À ce titre, l'antenne soutient les clubs d'entreprise, en particulier le club de Vitré, le club Grand S. Alors S comme service, donc c'est un club thématique donc, qui réunit plutôt les entreprises dans le domaine des services aux entreprises en particulier. Et c'est un club territorial puisqu'il est attaché au pays de Vitré. Voilà. Ce club a plusieurs années d'existence et ce club est en train d'organiser une cérémonie qui s'appelle les Trophées en 2016, qui aura lieu le 21 avril. Le but est de récompenser les entreprises du territoire. Comme cet événement prend un peu de l'ampleur, le club a souhaité se doter de supports supplémentaires. En l'occurrence, on a fait donc appel à Wilfried et on lui a proposé de préparer un plan de communication pour la cérémonie des trophées, 4e édition. Mais au cours de l'avancée des travaux, on s'est aperçu qu'au-delà de la communication sur un événement, c'était la communication du club qu'il fallait améliorer. Et en cela, donc, il y a un second travail qui est assez conséquent, qui consiste à se reposer des questions, à préparer une enquête, à questionner les membres, à s'interroger sur la communication du club en général pour ensuite en venir à la communication sur les trophées en particulier. Le but est de réussir l'événement évidemment le 21 avril, mais aussi de valoriser le club et puis je l'espère de valoriser aussi la Cécile qui est en soutien de ce club-là. Donc Wilfried, en cela pour nous est très utile, en plus c'est quelqu'un de dynamique, ayant des idées et on en a besoin, on lui laisse beaucoup d'autonomie, il a un cadre et on est là pour ça, mais on est ravis et surtout au nom du club de pouvoir faire avancer certains projets qui traînent un petit peu et là on donne un petit coup de fouet pour que ça aille plus vite. Au sein de l'antenne de Vitré de la Cécile Draine. Mon stage va s'arrêter vendredi, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à venir au travail le matin au sein de l'antenne, puisque c'est une équipe dynamique, très accueillante et à l'écoute de ses stagiaires. Donc je voulais aller remercier tout particulièrement Carole. Je remercie également Philippe Ramé, le responsable d'antenne de Vitré, pour sa collaboration et son accueil, voilà, qui a été très à l'écoute et m'a aidé dans mes différentes tâches. Je voulais remercier également le club Grand S pour sa collaboration et tout particulièrement au sein du club Serge Fulâtre, le président, Nicolas Guillou et Johan Manceau qui m'ont aidé pour la partie communication. Ça a été un stage très intense mais riche en apprentissage. Sur ces points-là, ça a été un stage très intéressant et fructueux dans le cadre de mes études. Voilà. Je remercie.